Salut à tous, une toute petite vidéo truc et astuce pour un truc qui me pourrissait la vie en tant que testeur de distribution Linux en machine virtuelle. Parfois, je dois dire que je n'aime pas beaucoup l'UEFI. Parfois, la machine en UEFI démarrait, parfois pas. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et grâce à Pépito, que je tiens à remercier, j'ai la première partie de l'explication, grâce à cette vidéo qu'il avait faite. Voilà, je vous mettrai dans le descriptif donc. Merci Pépito, tu m'as vraiment aidé. Il y avait une histoire de Boot GruBFI Company. Là, je me suis dit, il y a un petit truc à creuser. Donc, je donnais un coup de main pour bêta tester la version 2.2.9 de Arch Anywhere et j'avais créé une machine virtuelle UEFI. Strictement minimale pour tester certains trucs. Et quand j'ai voulu la redémarrer, allez voir ce qui se passe. Bim! Donc, je me suis dit, il y a un bug au niveau du grub, parce que j'utilise grub. Donc là, je vais sur FS0 pour démarrer. FS0, 2 points. LS, donc on va dans. C'est EFI. LS, boot, LS. Et on a GRUB EFI, GRUB 64 EFI. Vous allez comprendre pourquoi c'est le responsable. Donc je tape GRUB 64 EFI. Oh, GRUB se lance. Et là se trouve la clé du problème. Pas la peine de créer un script. Il suffit juste de renommer un fichier. C'est un bug que je vais rapporter sur le guide Dark Anywhere, le GitHub Dark Anywhere. Parce que je me disais, ah, oh, il a planté l'enfoiré. Il a planté l'enfoiré. Donc, je me disais, avant qu'il ne plante, décidément, aujourd'hui, la machine virtuelle m'en veut. Voilà, donc ça. Donc, pendant que je dis. J'étais en train tranquillement de vouloir. Je me suis dit, mais pourquoi? Donc, on va essayer de relancer cette fois-ci en espérant qu'il ne fasse pas un bug. Voilà. Donc, je disais, avant qu'il ne plante, pourquoi, quand je fais l'installation de la Mimi en suivant mon guide sur une machine UEFI, j'ai jamais de problème de démarrage? J'ai cherché, cherché. Puis, Pépito m'a apporté la partie de la solution. Parce que si on regarde. Bon, j'ai mon GitLab. Si on n'est pas planté. Voilà, je vais mettre en plus gros. Regardez bien comment s'appelle le fichier dans boot EFI. Boot. Boot x64, pas grub. x64. Et si on renommait le fichier en question, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc j'avais été créer une image. J'ai réussi à redémarrer et récupérer la main. Donc là, bien sûr. Ça dépend de l'endroit où se trouve, ça dépend de votre distribution. Si c'est Ubuntu, ça sera dans boot, EFI, Ubuntu, blablabla. Ça dépend de votre distribution. Donc, j'ouvre un terminal. Donc, je fais cd boot EFI. Voilà. Déjà, j'ai le boot. Et maintenant, j'ai GRUB 64. Et si je renomme le fichier? Donc si je fais sudo nv grub x64 boot x64.uefi, ça va juste renommer le fichier. Donc on vérifie bien que c'est boot x64.uefi, comme indiqué ici. Et on va redémarrer. Et on va voir si GRUB veut bien se lancer. Notre ami GRUB! Donc vous voyez, si vous avez ce putain de problème, soit il vous faut créer le boot EFI boot, ben ça, voilà, c'est la ligne suivante là. Il faudra juste adapter en fonction de votre ordinateur. Parce que peut-être que le boot EFI sera dans Ubuntu, ou Debian, ou Fedora, peu importe comment s'appelle la distribution, c'est un répertoire spécifique. Et vous avez fait chier GRUB 64 EFI. Donc si vous n'avez pas boot EFI boot x64 EFI, vous ne pourrez pas redémarrer. Et là, nous avons notre redémarrage qui est terminé. Nous avons bien une machine en UEFI. Voilà. C'est à cause de ce petit problème de renommage de fichier que tout part en cacahuète. Donc, je vais ouvrir un bug sur le GitHub Dark Anywhere pour corriger ce bug qui m'a franchement pété des boulons.
Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Merci, merci, merci Pépito pour le coup de main que tu m'as donné. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!